Et ben voilà, on arrive au bout du parcours du musée, mais qu'on a fait au pas de course. Donc vraiment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir à Troyes et puis à visiter le musée et un peu plus lentement. Il y a de très très belles choses à voir. Bah, je tiens à vous dire franchement, bah, merci à toi Thomas. Bah, avec grand plaisir, ouais, merci à toi. Franchement, t'as vraiment géré l'affaire. C'est vrai que ma chaîne à moi, c'est très rapide, comme ça au moins les gens, bah, ils ont un petit aperçu, ils aiment ça. Et après, si vous aimez réellement ça, venez à Troyes et venez justement à ce musée, vous allez kiffer. Ok les gars, alors ça y est, pour moi c'est terminé le musée. Ah, j'ai fait deux super reportages ici, la bonneterie et l'art de la Renaissance. C'était un truc de malade. Je pense que vous allez kiffer. En tout cas moi, j'ai adoré perso. J'ai appris plein de trucs, c'était super instructif. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, maintenant, il est quelle heure? Excusez-moi madame. Bonjour madame, il est quelle heure s'il vous plaît? 14h. 14h. Merci beaucoup, madame. 14h. Eh ben, top chrono. C'est parti, vous pouvez mettre le chrono. Il est 14h. Donc, à partir de maintenant, tout de suite, je n'ai plus le droit à la carte bleue. Je n'ai plus le droit à ma tante. Je n'ai plus le droit à rien. Voilà. Maintenant, je vais faire la manche. Je suis parti pour être dans la peau d'un SDF pendant 24h. Donc, jusqu'à demain, 14h. C'est parti. Ah oui, sans oublier que l'argent que je récupère, je ne prends que 10%. 10% pourquoi? Pour simplement m'acheter un truc à manger parce que je n'utilise plus ma carte bleue, tout ça. Et tout le reste, donc 90%, je le donnerai au prochain SDF que je vois. Que je vois qui fera la quête, qui fera la manche. Et je le donnerai à lui parce que voilà, c'est normal. Je ne suis pas SDF. Je ne fais que 24 heures et pour moi je trouve ça normal. Voilà. Et ce serait leur manquer de respect de prendre de l'argent comme ça. Moi, je sais vivre sans problème, j'ai ce qu'il faut. Là c'est vraiment une expérience et sans oublier que là ce qu'on va voir c'est ce qui va être marrant, ça va être la nuit. Parce que bon, la nuit dehors, on va rigoler. Alors je sais qu'il y en a qui disent ouais c'est facile, t'as qu'à te déchirer la gueule et tout, ça va être facile. Ouais, on va voir ça. Je vais pas me biturer et en plus de ça j'ai pas de bol, le temps est encore contre moi, donc c'est génial. Ah, j'adore ma vie. Allez, en avant pour l'expérience. Alors là je suis tombé sur un collègue SDF. De toute façon tu t'appelles Lionel, donc là Là, je suis avec Lionel. Voilà, là, je suis en contact avec Lionel Jospin. Donc, alors, il y a eu la gentillesse de pouvoir, entre guillemets, me prendre sur son aile. Hein. Il va m'expliquer un peu deux, trois trucs sur la vie d'SDF, sachant que moi, je n'y connais que dalle. Je me fais une idée de comment faire, mais en réalité, je sais pas faire. Quand on débute, on connaît rien, c'est très compliqué. Voilà. Il faut apprendre avec les anciens, c'est ce que j'ai fait, moi. Ah ouais, t'as appris avec les anciens? Ouais, ouais. Ah bah, vas-y, explique-moi alors. En fait, comme je te dis tout à l'heure, il y en a un autre qui habite là, qui vit sous l'église du haut là-haut. Et là, ça fait 20 ans qu'il est dehors. 20 ans. Il m'a expliqué des petites astuces, comment aller se laver, comment récupérer à manger, comment pouvoir avoir de l'eau. Le principal, c'est de boire quand même aussi, d'avoir de la flotte. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, on a la chance ici à Troyes d'avoir des toilettes publiques où c'est que l'eau est potable. Il y a une petite dame qui est un peu plus haut qui tient la boutique. Il y a une dame, c'est rare qu'on voit encore ça. Donc, on peut remplir sa bouteille d'eau. Et puis, se laver, c'est le minimum, bien évidemment. On peut pas prendre de douche, il n'y a pas de douche. Ouais, bon, on a quand même le WC quand même, hein, parce que c'est important tout de même. Ouais, on va partir au milieu de la rue devant les gens. Ouais, effectivement. Et il m'a appris aussi à récupérer des affaires, parce qu'il y a encore des bennes où c'est que les gens jettent des affaires, donc récupérer des habits. Bon, moi j'ai tout perdu, hein, je te dis, hein. On m'a même volé ici même, là. Parce que des fois je laisse pour aller faire des trois courses pour manger. Il faut se méfier de tout le monde en fait. Si on ne connaît pas les gens ici, il faut se méfier de tout le monde. N'importe où d'ailleurs, je pense, à mon avis. Hein. Donc j'ai eu la chance de tomber sur toi, quelque voilà, part. Ouais. T'es un peu mon ange gardien pour ce soir, quoi. Je sais pas si je suis un ange, j'en sais rien. Mais bon, moi je dis toujours ça, on est un ange gardien pour quelqu'un. Ouais. Donc là, les gars, franchement, là, j'ai peut-être un ange gardien à mes côtés, Lionel. franchement, après, si jamais par la suite de l'émission,
voyez que ça peut être intéressant, sachez qu'il cherche du travail et qu'il est valide et qu'il est à fond. Et que si vous êtes sur trois et que vous cherchez quelqu'un pour travailler, eh ben, on a Lionel et je donnerai les coordonnées, tout ça, de son numéro de téléphone s'il faut après par la suite. Mais voilà. Je prends n'importe quoi au boulot, il n'y a pas de souci. Hein. Plonge, manutention, tout. Tout ce que vous voulez. Donc c'est ça qui est hallucinant quand même, c'est que tu prends quand même n'importe quel métier et que malgré tout, tu es quand même dans la rue. Bah, dis donc, alors, en fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est que je fais des missions, je suis inscrit à une boîte d'intérim. Donc j'ai pas le droit de la quitter parce que j'ai signé un contrat avec eux. Donc si je le quitte, je suis dans la merde, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Je suis obligé d'accepter mon contrat que j'ai signé avec eux, mais pour le moment, il n'y a aucune mission. Donc je pense que là, par le temps qui va arriver, les saisons, les saisonnières et tout, il va y avoir plus de boulot. Mais bon, pour le moment, j'ai fait une mission avant-hier. C'est 3-4 jours, quoi. T'es pas payé, ça vaut pas le coup. Quoi. T'es pas payé pendant. Ah, t'es payé, mais pratiquement en misère. Quoi. C'est quoi quand tu dis une misère? 100 balles, 200 balles? Ouais, ça fait 11 euros de l'heure, tu vois. Donc une journée, c'est pas énorme. Ah ouais, d'accord. Et comme t'es pas appelé H24 et que voilà. T'es pas, on va dire, voilà. Ce que j'appelle le 8 infernal, quand même, des longues missions, comme je faisais avant, des 6 mois, des 4 mois. Des longues missions. Il n'y a pas de longues missions, c'est que des petites. Pour le moment, là, ouais. Évidemment, les petites missions ne font pas en sorte que tu peux prendre un loyer. Après, je peux quitter la boîte d'intérim si j'ai un CDD plus de 6 mois ou 3 mois. Là, je peux quitter la boîte d'intérim. Parce que là, si je quitte ma boîte d'intérim, je perds tout. Ah ouais. Je perds tous mes avantages. Voilà. Bah, vous voyez, les gars, hein, franchement, on peut être dans la rue, mais même en travaillant, on peut être dans la merde. Même quand je travaillais pour Cepur, je dormais dehors. Cepur, c'est la boîte d'intérim. Enfin, la boîte qui ramassait les éboueurs, qui ramassait les déchets. Hein. Et elle a coulé. Même quand je travaillais chez eux, à la fin, j'étais dehors. Je dormais dehors, j'allais bosser à 4h du mat. Je faisais 4h, 14h. Et je dormais dehors. Ils le savaient pas, hein, bien sûr. Sinon, ils m'auraient pas gardé. Ah, les bâtards. Voilà, ouais. Ok. Bon, bah voilà, vous en savez un peu plus sur la vie de Lionel. Je vous expliquerai après la suite. Ouais. Et ça au prochain épisode. Allez. C'est que le début. Hein. Là, c'est que le début. Hein. Pour moi, c'est. Là, bah, j'ai de la chance. Hein, directement. J'ai dit à peine de 14h à 14h. Là, il est quelle heure? 15. Ouais, il est 14h36. Eh ben, en une demi-heure, voilà. J'ai trouvé déjà quelqu'un qui va m'apprendre un peu les bases du métier de vous. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi déjà, parce que vous serez tombé sur mon pote là-haut. Ça aurait été compliqué de lui parler aussi. Il est un petit peu craintif. Alors, ah ouais, il a d'accord. Raison. Il a raison. Non, craintif. C'est pas trop les gens que je connais pas. C'est pareil, je vous dis. Ah ouais, c'est normal. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il est dehors, donc il connaît un peu les gens et tout. Quand il voit un inconnu, il se méfie. C'est pareil, quand on est dehors, on se fait voler. Hein. Alors, attention à ses affaires. Un petit coup de sommeil, c'est pour ça qu'il peut disparaître. Ah ouais. Bah, pas avec moi, parce que comme je te dis, les gens me connaissent ici. Si tu vas ailleurs, ouais, tu peux te faire carotte. Au début que je suis arrivé ici, tout au début, ça fait à peu près 6 mois que je suis là. Au début que je suis arrivé, j'avais toutes mes affaires, donc j'avais au moins 5-6 sacs, tu vois. Je suis parti en face, il y a un monoprix. Je suis allé chercher un sandwich, je suis revenu. J'ai fait confiance, je me suis dit, on va pas me voler mes affaires quand même, on va le prendre SDF. Je suis revenu, ben les sacs ils avaient disparu. Avec les photos de mes enfants et tout, quoi. C'est quand même. Voilà. Voilà, c'est dans ce vie qu'on vit, quoi. C'est un vie de merde. Ouais, on va dire que les gens ici, comme ils ont rien, le peu qu'ils voient directement, après, ils prennent quand ils se prennent pas, pour non, la tête. Je pense plutôt que ce soit les jeunes, parce qu'il y a des petits jeunes qui aiment bien faire le bordel et puis qui. Voilà. Surtout qu'on est à côté du pub, donc dès qu'ils sont un peu alcoolisés, bah, ils descendent et puis bah, voilà, ils sont litières, on va chercher le mec. Hein voilà, ouais. Des jeunes, donc alors, des jeunes qui ont tout. Donc alors c'est ça que tu me dis, alors il y a des jeunes qui ont tout. Ils ont un toit, ils ont un chauffage, ils ont à boire, à manger, ils ont leur conflex le matin et ils viennent te casser les couilles. Ouais. C'est totalement insupportable ça. Ah oui, pour les ignorer. Tu leur parles pas, tu les laisses passer, tu leur laisses parler. Ils dénigrent en fait, ils te rabaissent encore plus bactère que tu es. Et tu les laisses. Vous les laissez passer parce que si tu parles avec eux, tu peux vite partir en vrille quoi. Mais ben, c'est bon à savoir ça. Voilà, ouais. Bon, ils sont pas tous comme ça, il y en a qui sont super gentils, il y en a beaucoup des petits. C'est plus les petits de dizaines d'années, des 11 ans qui me donnent toute autre pièce tous les jours. Tu verras, ils vont passer, ils vont pas tarder. Hein? Ouais, il y a même une petite dame avec les big sacs qui me donne tous les jours aussi. Oh bah c'est sympa ça. Elle me fait me réveiller, quand il pleuvait, j'étais sous la flotte, je m'étais endormi sous la flotte, elle est venue me réveiller, elle m'a donné un parapluie. Ah, c'est sympa. Que les gamins m'ont volé. Faut le faire quand même. Oh punaise. Enfin bon, c'est pas grave. Oh, je sens que cette nuit elle va être folklorique. Ouais, oui. Oui. Bah avec un peu de chance, si tu dormiras peut-être pas dehors cette nuit. Non, par contre, toi, si tu dors à l'intérieur dehors, moi je vais me démerder tout seul pour cette nuit. C'est un peu mon challenge. Okay. Donc, à la limite, as-tu des conseils pour si tu dors dehors, où est-ce que je devrais trouver un endroit? Est-ce que t'as une toile de tente? Alors, oui, mais j'ai dit je n'utiliserai pas.
la tente de tente. Je me mets juste la couverture de survie, grand max, et grand max si j'ai vraiment très très froid, le duvet grand max. Bah grand max, si je te conseille, s'il pleut, c'est d'aller à Bernoville, c'est-à-dire là-bas, sur l'avenue du 14 juillet, parce que les arrêts de bus là-bas, ils sont pas en plein vent, et si tu te mets sur le côté, en fait, il faut que tu te mettes par terre, parce que si tu dors sous la ferraille, tu vas avoir mal au dos, frère. Ouais. Donc, soit tu dors assis contre le mur, comme ça, comme moi je faisais, enfin contre le petit, ouais, plexiglas, soit tu t'allonges derrière. S'il pleut pas, tu peux t'allonger derrière l'arrêt de bus, et là, c'est à Bernoville, t'as un arrêt de bus, il est caché, comme ça, t'as un muret comme ça. D'accord. Mais contre le vent, t'as pas le vent qui va te taper dans la gueule, quoi. Donc, s'il y a du vent, tu vas souffrir. C'est froid à 3 la nuit. Ouais, j'ai c'est senti. C'est humide et ça va être froid. C'est une ancienne cuvette, hein, c'était de la flotte avant ça. C'est un ancien marais. Donc voilà. Sinon, après, si t'as. Bon, si je peux hésiter à toi de temps, mais t'aurais fait le parc, au pire. Il y a un parc un peu plus bas, mais le parc là-bas, il est déconseillé. La nuit, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir et puis. À fumer, et puis voilà, quoi. Ça fait un peu les cons, quoi. Voilà, ouais. On va éviter les problèmes quand même. Ouais, faut mieux, ouais. Sachant que je ne fais que 24 heures. Voilà. Donc, voilà, après, moi, je reprends mon chemin parce qu'après, je pars en direction Auxerre. Ah, je connais Auxerre. Donc, après, mais Auxerre, après, je fais tout à pied. Donc, voilà. Mais ça va être original dans le sens que ben, c'est vraiment aussi pour ma part de voir ce que ça fait de se mettre dans la peau d'un SDF et aussi pour aussi quelque part faire montrer au public, ben c'est vraiment une vie de merde et qu'il faut et que ça peut arriver surtout à tout le monde, à n'importe qui, ça peut et surtout leur dire mais putain quoi, faut respecter quoi, c'est et en plus et comme vous pouvez voir, c'est pas des ovnis quoi, et non mais il y en a, tu vois, ça m'énerve, ils sont là, ils te regardent de haut et ouais, tout, wow, c'est des gens comme tout le monde, c'est des gens comme nous. Ah ouais, après c'est sûr faut pas les rabaisser, les gens comme ça. Il y en a, il y en a, ils sont bizarres, c'est vrai qu'ils sont agressifs, ils sont méchants, il y en a, après c'est pareil, ils ont des problèmes psychologiques, c'est pas de leur faute. Ouais, il y en a, ils sont malades. Voilà. Il y en a, je sais. J'en ai vu un à un moment, le gars il parlait tout seul, il parlait une pierre tout seul, je le regardais, je suis d'accord, ok, il parle tout seul. D'accord. Il parle tout seul. Ah, c'est pas de leur faute. Faut qu'ils se fassent soigner, mais malheureusement les pompiers ils les emmènent, mais ils les relâchent après. Donc, au lieu de les mettre en psychiatrie, c'est des gens qui ne veulent pas s'occuper, l'État, tu vois. Ils ont pas de mutuelle ou ils ont pas de papier ou un truc comme ça. Puis voilà. Moi j'ai la chance, d'avoir une mutuelle et des papiers. Il y en a qui n'ont pas de papier. Moi si je vais à l'hôpital, je peux me faire soigner. Bah, j'en ai pas besoin. Voilà. Il y en a, ils ont rien. Ils ont vraiment rien. Zéro. Il y en a même qui n'ont même pas d'habits comme moi. Moi j'ai de la chance d'avoir ça. Il y en a qui traînent avec un seul pull. Ouais, c'est j'en vrai. Ai vu cet hiver, moi ils avaient un seul pull, je l'aurais filé, j'avais un blouson en plus. J'aurais toujours un en plus au cas où. Je leur ai donné mon blouson. Normal. Tiens, il va pleuvoir. Là, il y en a un qui passe, il n'y a pas de blouson, je vais lui donner. Là, d'ailleurs, il commence à pleuvoir. Voilà. Non mais moi je reste là, t'inquiète, tu vois. Tu te mets comme ça, tu prends rien normalement. De ce côté-là, ça passera. Ou alors 3-4 gouttes, mais moi je suis habitué après. Ouais, après. Juste fermer mon sac pour pas que ça rentre dedans. Ouais, voilà, quand même, ouais. Je vais mettre quand même un truc sur mes sacs. Bon, allez, on voit ça après.